3, 2, 1. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien les amis. Alors, c'est parti, nous allons aujourd'hui récupérer l'épée de légende. La fameuse, l'unique épée de légende. J'espère qu'on va la trouver facilement, hein, parce que j'ai pas prévu que ça pour cette vidéo. Et encore une fois, j'ai totalement oublié de sortir le minuteur. C'est génial, un jour je serai habitué, je le ferai avant de lancer la vidéo. Ce serait peut-être pas mal. Alors, vite, faisons ça pendant qu'on est en train de marcher dans la forêt. Hop, c'est bon. Merde, j'ai lancé pour... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bon, l'entrée de la forêt, ça a l'air d'être ici. Hein? Oula! Ouh, la petite musique. La petite musique qui, il me semble, n'est pas une musique originale de ce Zelda. Mais bien quelque chose qui était là avant. Alors, il faut sans doute suivre les torches de feu. Là, par là-bas. Ensuite, ça a l'air d'être... Ouais, le bois perdu, en gros, si on pomme les trucs... Si on pomme les lampes, on est fichu. Là, attendez. C'est un retour en arrière, là-bas, ou pas? Non, c'est pas du tout ça. C'est bon, on peut y aller. Ensuite, où est-ce qu'il est, la prochaine? Oh. Attendez. Attendez, attendez. Elle est là-bas. Regardez, on la voit. On la voit, c'est bon. Ok. Attendez. Non, je veux vous prendre en photo. Ah, je les ai déjà pris en photo. Donc on s'en fout. Théoriquement, ça on s'en fout un peu. On récupère le coffre. Lance Sylvain, bon, c'est pas intéressant. On peut le laisser ici. Alors, faisons le tour. Alors, est-ce que je suis proche de quelque chose? Ouais, j'essaie d'aller par là-bas. Plutôt par là en fait. Ah non, d'accord, ouais. Donc si on s'éloigne vraiment de trop, eh ben on revient au début. J'ai bien l'impression qu'on va revenir au début. Non, on revient ici. Il va y avoir un message? Non, pas du tout. Ok, donc et si je monte en haut de l'arbre? Ça donne quoi si je monte en haut de l'arbre? Est-ce que je verrai les torches? Hein. Donc arrivé là, je dois faire quoi alors du coup? Je vais sûrement aller par là. Ah, on y est presque les amis, j'ai l'impression qu'on avance pas mal. On avance plutôt pas trop mal, j'ai l'impression, c'est bon. On est bien parti. J'ai l'impression que nous sommes bien partis. Alors. Bon, en tout cas là, j'ai pas l'impression que c'est quoi que ce soit qui nous barre la route. Les amis, on y est presque. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça, il y a des korogus. Waouh, il y a plein de korogus, forêt korogu. Les amis, nous y sommes. On va pouvoir retirer l'épée de légende. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long.
Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. La lame du héros. Nouvel objectif. Attention les amis, nous allons retirer du coup cette épée. Maintenir A. Oh non! Attendez. Ah mais non! Hey, je peux pas le faire maintenant. Est-ce que j'ai des trucs pour me soigner? Oh merde, merde. Ah merde, merde, merde. Il me faut que j'avale tous mes trucs hein. De toute façon là j'ai plus le choix. Ah à moins que j'ai une petite bûche. Si j'ai un petit fagot de bois et du silex, ça peut le faire. Silex, j'ai du silex, ouais c'est bon. Vous savez quoi, on va se faire un petit feu. Dans une forêt certes c'est pas forcément recommandé. Mais c'est pas grave. Hein. On va le prendre. On va poser le fagot là sur la pierre. Comme ça au moins ça va pas se propager. Maintenant on va prendre un silex. Prendre. Comment on fait pour allumer d'ailleurs? Comment on fait pour l'allumer? Merde! Attendez. Je sais pas comment on fait pour allumer le... Le fagot de bois. Attendez, au pire on va faire le sanctuaire d'abord. Quoique, ça se trouve le sanctuaire ils vont nous troll, faudra le faire plus tard. Au moins on l'ouvre, comme ça on pourra se retaper ici. Mais bon au pire tant pis, on va manger. On va manger ce qu'on a. Non ça on va le garder. Ça on peut le manger. Hop, allez, on va prendre l'épée. Ah, c'est quoi? Branche d'arbre. Non, on n'a pas besoin de ça. Attention, on y va, on va chercher du coup notre épée. Oh, il y a des baisses d'FPS ici. Oh, c'est cool. Princesse de la sérénité. Je prends en photo cette fleur? Oui. Et ça, est-ce que c'est à prendre en photo, ça? Non. Ok, c'est parti. Attention! C'est parti, les amis. Nous sommes en train de récupérer l'épée purificatrice, la lame purificatrice, l'épée de légende. On y est presque, on y est presque. Allez, vas-y, 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 vas-y. Encore un petit effort, là, j'ai peur. Wow!
Je vous en prie. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici ? Voilà, je... Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas ? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Épée de légende. 30. Cette épée s'appelle l'épée de légende. Si tu la brandis contre le fléau Ganon ou les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se n'abîmera de lumière. C'est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance, mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'aventurer sur la victoire, si tu veux t'assurer de la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. Les amis, est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui vient de se passer ? Non mais sans déconner. Les deux souvenirs qu'on vient d'avoir, j'ai eu des frissons, un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. Franchement, c'est incroyable. Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, prends des noix. Hop, on a des nouvelles petites. On a un nouveau slot d'épée. On va s'en refaire une quand même. Hop, de toute façon, le plus important c'est les épées. Quand on aura tous les trucs pour les épées. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Donne-moi 5 ! Bon, bah à la prochaine.
À la prochaine, mec. T'es fou, quoi. 5. Est-ce qu'on fait le sanctuaire? Ouais, on va faire le sanctuaire. On va faire le sanctuaire, même si... Après, on aura tout le temps pour aller dans le désert. Grenouille! Le mec qui crie grenouille, quoi. Alors, faisons ce sanctuaire. Non, mais... Donc, parlons un petit peu de ce souvenir, quand même, qui est pour moi l'un des plus importants. Elle allait dire quelque chose... Et l'arbre Mojo a dit non. Non mais sans déconner. Franchement, je vous jure. Des fois, c'est à se poser des questions. Alors, étoile. What? J'ai pas eu. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Les étoiles seront ton guide avec ton destin. Leur nombre coïncide. Quelle étoile? Quelles étoiles? Quelles étoiles? Là, j'essaye de chercher un peu. J'essaye de comprendre un peu le délire de cette énigme. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout le délire de cette énigme. Bon, écoutez, vous savez quoi, on reviendra parce que là je ne comprends absolument pas. On ne comprend pas, on reviendra. Donc, alors, on va aller, du coup, c'est ici, il me semble. Je crois que c'était ici. C'est ici? Ouais, je crois que c'était ici qu'on devait aller pour aller chercher, du coup, la suite. On devait récupérer, rappelez-vous, un diadème, il me semble, de Riju, la nouvelle la reine des Gerudo, qui est d'ailleurs est très très jeune. On va récupérer le diadème en faisant ce sanctuaire. On a eu la chance d'ailleurs. Hey, il fait nuit, du coup il fait froid, c'est une blague. En faisant ce sanctuaire, du coup, il y a plus de tempête de sable. Ce sera beaucoup plus simple déjà. What? C'est qu'il a peur de nous. D'accord. Ok. Sauf que le problème, c'est que bah, il faut que je trouve le diadème ou je ne sais quoi. Et que je ne sais absolument pas où c'est. Et tu peux utiliser ma prière à tout moment. Ouais, c'est bien. Et en fait, au début, je pensais que c'était les mecs qui me permettaient de... Ah non, en fait, c'est... Attendez. Oh non, voilà une tempête de sable. Je sais pas où faut que j'aille. Ça avait l'air d'être là-bas. Attendez. Attendez. Tac. Voilà, c'est bon. Vanaboris. Sauf que c'est là-bas. Pourquoi il me dit d'aller là-bas sans déconner? Je ne comprends rien. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il me dit d'aller là-bas encore, alors que la dernière fois, rappelez-vous, on y est arrivé et enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Alors ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Alors, allons-y, du coup, on y va. Est-ce qu'on a assez froid? Bon, de toute façon, je crois que j'ai pas de... Non, j'en ai pas. J'ai pas de tête qui me permet de résister au froid, donc tant pis. Voilà, c'est la lame purificatrice qu'on a, ouais. Oh, la classe. La classe. Donc, du coup, la lame de légende, d'après ce que j'ai cru compris... D'après ce que j'ai cru comprendre, elle se casse, mais elle revient tout le temps. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, on aura toujours une arme avec nous, même si elle se casse. Et après... Ah, c'est peut-être là que je devais aller.
Et après, bah, elle fait déjà 32 dégâts, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi c'est comme ça ici? Ok. C'est bien ici que je dois aller ou pas? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez, on va faire un truc. C'est que on va y aller. On va pas y aller par la neige. On va y aller par le désert Gerudo. Ça, on l'a pas fait encore. Ça, on l'a pas fait. Donc, on va le faire. J'ai pas beaucoup de rubis d'après. Hein. D'après ce que je vois, pas beaucoup de rubis. Alors, on va y aller. On va mettre un point quand même. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, il est là. D'ailleurs, faudra qu'on fasse aussi un nouveau labyrinthe. Hein. Donc, ça, on a encore le temps. Allez, on y va. On va à la vallée de Kaltis. Hop. Nickel. Attendez, c'est moi ou j'entends un corbeau? Ah ouais, c'est ça, d'accord, ok. Ok, on va mettre un point. On va mettre un point ici, là où je suis. Tac, on va mettre un... Voilà, on va mettre la feuille. La feuille représentera les corbeaux. Allez, on y va. Pas le temps. Alors... ça doit être là. Y être bientôt, je suppose. Wow, la chaleur, comment elle a monté d'un coup! Incroyable! Est-ce qu'on voit? Ouais, là-bas, je crois que c'est le truc Gerudo. Ouais, c'est là-bas. Finalement, on aurait pu y aller à pied, hein. C'est pas si loin que ça. Ça, je suppose qu'il doit y avoir un caillou quelque part. Un caillou qui... Eh ben, je suppose que c'est lui. Bah écoutez, si c'est ça, franchement... Voilà. Mais Mike... What? Mais un coup, ils sont morts. Eh ben... Ouais, c'est ce caillou-là, je suppose. Hop. Non, reviens, ne tombe pas. Oh là là, qu'est-ce que je fais comme bêtise. Je vous jure. Hop, on va descendre. Alors, ça doit être quelque part par ici. On va avancer. Parce qu'on n'a pas grand-chose à faire d'autre. Da-da-da-da. Le désert. D'ailleurs, j'ai pas grand chose pour manger, moi. On va récupérer ça, ça a l'air d'être un piment. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'avais dit en plus qu'il fallait que je reparte par là. Finalement, j'étais pas reparti. Comme je sais pas vraiment ce que je dois faire. Hop, on va monter là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas l'air, hein, y a pas l'air. Y a l'air de rien avoir du tout même. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Wow, des cailloux! Y a des cailloux qui ne font pas de bruit. Ça, on le notera. J'arrête pas d'avoir des sauvegardes, pourtant je fais rien quoi. Non, en fait vous voulez rire, je suis sûr d'un truc. En fait, on va passer sous le point jaune en revenant en arrière. Parce que j'étais pas revenu, moi j'avais continué d'avancer, rappelez-vous. Et j'étais pas revenu comme ça en arrière.
Oh non. C'est une blague. Enfin, c'est quand même loin, quoi. Putain, genre, ça aurait été bien avec mon cheval. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Je vois rien. Hein. J'ai absolument rien vu, moi. Y'a rien. Bonjour. Excusez-moi, je ne fais que passer. Et je vais continuer de monter. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Là, on va récupérer ça. Il me semble qu'on peut récupérer. Oula. Oh non, pas eux. Vite, on sauve. Vite. Ah, là-bas, il me semble qu'on n'était pas allé. Mais on se sauve, on se sauve. Moi qui me rattrape. On n'était pas allé ici, les amis. On a trouvé. Oh non, c'était juste en dessous. Oh, les boules. Les boules, je vous jure. Faut que je récupère ça. Alors, attendez. Arc du voyageur, franchement, on n'a pas besoin. Hop, des torches. Ah non, une torche, on n'a pas besoin, mais bon, tant pis. On va aller par là. Non, c'est fermé, on ne peut pas y aller. Par là, c'est ouvert. La torche. Eh hey. Si on prend ça... Allez, c'est bon, il a pris feu. Est-ce qu'il y en a d'autres à prendre feu? Il n'y a que celui-là d'ouvert. Ouais, il n'y a que celui-là d'ouvert, donc... Est-ce que ça a libéré un passage? Noix de coco grillée. Serre coupe-gorge. Là, j'ai plus de place. Normal, j'ai deux trucs comme ça. Est-ce qu'on peut ouvrir cette... Ah mais on peut, c'est des tapis ça en fait. Des tapis ou des tissus, mais on peut les ouvrir en les brûlant. Oh, bon, on va tout cramer. Hop, voilà. Oh. Oh, oh, oh. Hop, voilà. Et l'avant-dernier, du coup. Allez, vas-y, crame. Nickel. Il y avait des chauves-souris dans un des trucs. Ah non, c'est même pas l'avant-dernier. Tiens, toi, tu vas me laisser tranquille, s'il te plaît. Attends, je vais bientôt se briser. Non, ne te brise pas. Il en reste un. Hop, nickel, c'est bon, tu peux te briser. Maintenant, on s'en fout. Alors. Et là, de l'ambre brut. Prendre l'épée royale. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, saphir brut. Nickel. En fait, tous les minerais qu'on récupère là et que je vous ai revendus, ne vous en faites pas, on peut en récupérer sur d'autres mondes. J'avais regardé vite fait pour voir. Wow! J'avais pas vu qu'il y avait autant de monstres ici. C'est une blague en fait, il y a juste un endroit où il y a quelque chose et les autres... What? Merde. Hop, on va faire ça.
violet, sympa. On va aller dans les autres côtés pour voir ce qu'il y a. Là, y a rien. Et puis c'est pas tout ça les amis, mais malheureusement comme j'ai mis beaucoup de temps à trouver cet endroit et à trouver le... Attendez, ah c'est bon, j'ai fait le tour. Et à trouver du coup l'épée de légende, et ben on est quand même à pas mal de temps de vidéo, donc on va se laisser là pour cet épisode. Il y aura pas mal de trous du coup. J'en suis désolé mais bon c'est comme ça, on va juste mettre un petit polo histoire d'avoir un peu plus chaud. Ou des petites... Hop, ça, on va mettre ça, voilà, comme ça on est un peu plus chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même, même s'il y aura du coup beaucoup de coupures et je ne sais absolument pas combien de temps du coup elle va durer, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt, allez, tchuss tout le monde!